Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire miraculeuse qui s'est déroulée en Californie et qui a débuté le mercredi des cendres de cette année 2023. Mais avant cela, je voulais vous donner quelques informations à propos de la chaîne. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur l'onglet communauté ou sur les réseaux sociaux, mais la chaîne a été piratée et cela a eu des conséquences assez fâcheuses. Je vous raconte tout cela en fin de vidéo. Et je vous expliquerai notamment comment ont procédé les pirates pour parvenir à leur fin. Cela pourra vous être utile pour éviter des mésaventures similaires, car même avec un mot de passe complexe et une double authentification, ils sont capables de vous pirater. Mais avant cela, je vous raconte l'histoire incroyable de la petite Sophia. Nous sommes le mercredi décembre 2023 en Californie. La famille Lorenzi, composée de Magali et Pablo, les parents, et de leurs 6 enfants, sont allés à l'église, où ils ont assisté à la cérémonie, qui marque le début du carême. De retour à la maison, les enfants vont jouer dans le jardin comme ils en ont l'habitude. Magali et Pablo sont à l'intérieur et règlent différentes affaires. Au bout d'un certain temps, Magali s'inquiète car elle ne voit plus Sophia, la plus jeune, qui a 19 mois. Elle demande à ses frères, en charge de la surveiller, où elle se trouve. Mais ils n'en savent rien. Pablo et Magali vont immédiatement partir à sa recherche et fouiller tous les recoins de la maison et du jardin. Soudain, Pablo s'approche du jacuzzi et un horrible pressentiment le traverse. Il voit quelque chose dans l'eau. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qu'il pense. Il court et ne peut que constater la terrible vérité. Sophia est au fond du jacuzzi. Le cœur de Pablo se déchire. Il se jette immédiatement à l'eau et prend Sophia dans ses bras. Il hurle à plein poumon pour demander de l'aide. Il tente de lui faire un massage cardiaque, mais cela ne donne rien. Pendant ce temps, Magali appelle les secours et Sophia est immédiatement transportée à l'hôpital. En échangeant avec les enfants, Pablo comprend que Sophia devait être dans l'eau depuis au moins 10 minutes. Et durant son transport à l'hôpital, les infirmiers n'arrivent pas à la réanimer. La panique est totale. Les parents se rendent compte de la gravité de la situation. Mais pourtant, ils se mettent à prier, de tout leur cœur. Dès son arrivée à l'hôpital, Sophia est conduite aux urgences. Et des médecins font tout leur possible pour la réanimer. Mais malgré de multiples efforts, ils se rendent à l'évidence. Cela fait trop longtemps que Sophia s'est noyée. Il n'y a plus aucun espoir. Le médecin annonce donc son décès à 17h47. Une infirmière vient voir les parents pour leur annoncer la terrible nouvelle. Les Lorenzi sont effondrés. Ils se rendent dans la chambre où Sophia repose sur un lit. Magali déclarera: je me suis approché de ma fille, j'ai vu son corps. Elle n'a tout simplement pas bougé, elle était partie. Les larmes coulent le long des joues de Magali et Pablo. La douleur qu'ils ressentent est terrible. Les parents laissent à regret leur fille et quittent la chambre. Mais malgré cela, ils n'arrêtent pas de prier afin que Sophia soit accueillie au paradis. Ils l'entourent de tout leur amour et demandent au ciel de veiller sur elle. Pendant ce temps, le personnel soignant vient suivre la procédure en cas de décès. L'infirmière prépare le corps pour l'emmener à la morgue de l'hôpital. Soudain, quelque chose attire son attention. Elle a l'impression d'avoir vu le torse de Sophia se lever. Oh non, c'est impossible, ça fait trop longtemps que la fillette ne respire plus. Elle s'approche, alors? C'est à peine perceptible, mais Sophia respire. L'infirmière appelle en urgence les médecins. « Dépêchez-vous, Sophia n'est pas morte, il reste de l'espoir. » Chacun se dépêche et donne son maximum pour prolonger ce souffle. Magali et Pablo, qui sont en train de prier, se rendent compte que tout le monde s'affaire autour de la chambre de Sophia. Mais on préfère ne rien leur dire, au cas où cela serait un faux espoir. En voyant cela, les parents de Sophia prient avec encore plus de ferveur.
Les médecins font tout leur possible, mais ils restent prudents. Le cerveau de Sofia a été trop longtemps privé d'oxygène et il peut y avoir des dégâts irréversibles. Mais le constat est sans appel. Sofia est revenue à la vie et elle respire. Les parents sont prévenus de la nouvelle, mais il leur est dit de ne pas se réjouir trop vite. Sofia doit passer une IRM afin de déterminer les séquelles de son accident. Le temps semble long pour Magali et Pablo, qui continuent leurs prières. Les résultats de l'IRM tombent. Sofia n'a aucun organe endommagé. C'est un soulagement. Mais encore une fois, les médecins leur demandent de ne pas se réjouir, car pendant la noyade, les poumons de Sofia se sont remplis d'eau. Et là aussi, il peut y avoir de graves répercussions. 5 longues journées vont alors s'écouler. Toute la famille est en attente. Les prières intenses se succèdent et l'espoir ne faiblit pas. Le 6e jour, lorsqu'ils se rendent à l'hôpital, les parents sont bouleversés. Sofia est réveillée. Et elle bouge ses jambes, ses bras et ses yeux. Magali ne peut s'empêcher de serrer sa fille dans ses bras et de la couvrir de baisers. Même si l'infirmière lui demande de modérer sa joie, elle comprend Magali et partage son bonheur. Sofia va rester près de 47 jours à l'hôpital. Après cette longue période, les médecins jugeront qu'elle pouvait rentrer à la maison. Sofia a donc retrouvé son foyer. Et vous la voyez sur ces images, entourée de toute sa famille. Il reste encore beaucoup de chemin avant que Sofia soit complètement guérie. Mais il s'est produit quelque chose de fantastique tout au long de son rétablissement que certains médecins seront incapables d'expliquer. Envoyons-lui une belle pensée afin de l'aider et pour ceux qui le souhaitent, une douce prière. Je laisserai pour conclure la parole à sa mère. Voici ce qu'elle a déclaré. Ce qui s'est passé est miraculeux. Nous remercions infiniment le Seigneur. Dieu peut tout faire. J'espère que cette histoire très émouvante vous a plu. Les plus sceptiques diront qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je crois au contraire que c'est une démonstration qui nous indique que tout est possible et que l'espoir doit toujours nous habiter. Comme je vous l'avais évoqué en début de vidéo, je vais faire un point sur une mésaventure qui est arrivée récemment. Il s'agit du piratage de la chaîne. Et je vous explique tous les dessous de cette histoire. Alors avant de commencer, je tenais sincèrement à remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien durant ces péripéties. Beaucoup de messages très sympathiques, et beaucoup de personnes ont prié. Certaines ont fait brûler des cierges, alors mille merci pour toute cette gentillesse. Ça a été d'un grand réconfort et vous m'avez beaucoup aidé. Je pense avoir répondu à tout le monde, mais si dans l'urgence j'ai oublié certains, n'hésitez pas à me renvoyer un message, ce n'était pas volontaire. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que mon compte est très sécurisé. Il possède un mot de passe de 30 caractères avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour se connecter, il faut une double authentification ainsi qu'un code unique et limité dans le temps. Et je possède une autre adresse email en cas d'urgence pour prouver que je suis le propriétaire de mon email. Je précise ceci parce que certaines personnes ont cru comprendre qu'en fait mon mot de passe était facile à trouver et qu'on peut rentrer sur ma chaîne facilement. Mais même avec des machines de calcul ultra puissantes, il faudrait des milliers d'années pour trouver mon mot de passe actuel. Regardez le tableau qui est affiché sur l'écran et qui vous explique combien de temps il faut pour trouver un mot de passe. Donc comme vous le voyez, il n'y a même pas le nombre de caractères par rapport à mon mot de passe actuel. Donc c'est très facile pour un petit mot de passe, mais ça devient impossible pour des mots de passe qui sont de plus en plus complexes. Donc le piratage n'est pas venu à cause de cela. Alors, comment ont procédé les malfrats? Je vous explique tout. Le mercredi 3 mai, je reçois un message de YouTube qui m'indique que je dois mettre à jour mon contrat sur mon compte parce que sinon, celui-ci ne sera plus valable et je ne pourrai plus publier de vidéos.
Ça arrive souvent en tant que créateur de recevoir des messages de YouTube. En général, ce sont plutôt des conseils pour utiliser l'interface. Et les vidéos sont faites par des YouTubeurs sous validation de YouTube. Alors j'ai vérifié que le message soit bien en provenance de YouTube, que ce ne soit pas un faux message, comme c'est le cas dans le phishing. Mais le message était bien en provenance de YouTube. Donc dans ce message, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il est demandé de regarder une vidéo privée sur une chaîne nommée, je ne sais plus exactement le nom, je crois que c'était YouTube Official Update, quelque chose comme ça. Et sur la vidéo se trouve Neil Mohan. Alors Neil Mohan, c'est le nouveau PDG de YouTube depuis février 2003, donc c'est tout récent. Il explique donc ce qui est précisé dans le message, c'est-à-dire qu'il y a une mise à jour des contrats, du compte qui doit être faite suite à la mise en place de nouvelles politiques de la chaîne. Et pour faire cette mise à jour, il faut cliquer dans un lien qui se trouve dans la description de la vidéo et de valider le contrat. Sur le coup, bon, je suis en général toujours un peu méfiant, mais là je me dis que ça se tient, parce que la chaîne est officielle, c'est pas une chaîne qui a été créée la veille, comme souvent c'est le cas d'arnaqueurs qui créent des chaînes. Ce sont des chaînes qui ont quelques jours, là elle est créée depuis 2022. J'ai été prévenu en plus par un message officiel de YouTube, et sur la vidéo c'est quand même le PDG de YouTube qui informe des modifications du contrat. Alors ça arrive en général de mettre à jour des informations sur son compte, mais en général c'est pas sous cette forme. En même temps, comme le PDG venait de changer, je me suis dit c'est possible que le mode de mise à jour ait changé. Et en plus, c'est un mail officiel. Je me dis quand même, il y a quelque chose que je trouve un peu étrange dans la façon de faire, parce que je choisis de ne pas télécharger le fichier qui est demandé et j'ai contacté l'assistance de YouTube. À certaines heures, on peut avoir une personne qui nous répond par chat et qui répond à nos questions. Donc je lui explique tout ce que je viens de vous décrire, tout ce que je viens de recevoir. Et je lui demande ensuite si donc la chaîne sur laquelle est diffusée la vidéo, c'est bien une chaîne officielle, et je lui envoie le lien. Et la personne me répond que oui, c'est normal. Donc du coup, je télécharge le fichier pour la mise à jour du contrat, seulement il ne se passe rien. Je me lève boire un verre d'eau, et quand je reviens, je reçois un message sur mon email de secours qui m'indique que la double authentification a été désactivée de mon compte, puis un autre qui suit qui m'indique que mon email vient d'être modifié. Alors là, je me précipite sur ma chaîne, évidemment, pour voir quoi faire. Et à ce moment-là, on me demande d'insérer une clé USB si je veux accéder à ma chaîne. Donc je comprends ce qui vient de se passer, et je comprends que je viens de me faire avoir. Le pirate vient en fait de changer mon mot de passe, il a désactivé la double authentification, et il a changé l'adresse de récupération. Et après, il a activé une authentification par clé USB, ce qui me rend impossible l'accès à mon compte et à ma chaîne. Il est donc devenu le propriétaire. Alors comment il a fait ? Eh bien, je vous explique comment fonctionne cette arnaque. En fait, la chaîne soi-disant officielle de YouTube, c'est pas une chaîne officielle. La vidéo où l'on voit le PDG de YouTube, c'est ce que l'on appelle un deepfake. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais c'est le nom officiel. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de créer des vidéos avec le visage d'une personne non présente, et aussi de recréer sa voix si l'on possède assez de données pour cela. Alors, jusqu'à présent, c'était utilisé à des fins humoristiques, ou pour faire une démonstration technique, pour montrer ce qu'il est possible de faire, mais les personnes malveillantes s'en sont emparées, et à mon avis, ce n'est que le début. Donc dans le cas de figure que je vous ai décrit, ils ont fait une fausse vidéo du PDG de YouTube, et ils m'ont partagé cette vidéo depuis leur chaîne. Et comme ils m'ont partagé cette vidéo depuis leur chaîne, j'ai reçu un mail officiel de YouTube. Donc ensuite, quand j'ai téléchargé le fichier demandé, quand je l'ai activé, ça a déclenché un virus de type, ce qu'on appelle un cheval de Troie. Donc le nom de ce virus, ça fait référence à l'Iliade d'Homère, où Ulysse finit par vaincre la puissante ville de Troie en leur offrant un cheval de bois dans lequel il a caché son armée. Eh bien, le virus, il fait pareil, en fait. Il rentre sur votre ordinateur, puis il prend le contrôle de votre ordinateur. Comme j'étais déjà connecté sur mon compte Gmail et YouTube, le virus n'a pas eu besoin de passer par les authentifications. Le virus a changé mon mot de passe et désactivé toutes les sécurités de mon compte, comme s'il était devant mon ordinateur. Une fois ma chaîne sous son contrôle, le pirate
a modifié le nom de la chaîne et il a changé le logo. La chaîne s'est transformée et elle a pris l'apparence de Tesla. Vous savez, la marque de voiture d'Elon Musk. Alors, je ne me souviens plus exactement le nom, mais c'était quelque chose comme Tesla Official Channel. Alors, pourquoi faire cela ? Eh bien, le pirate a pour but de vendre de fausses crypto-monnaies, qui sont des arnaques, et il a diffusé en direct une vidéo qu'il avait récupérée, alors, je ne sais pas où, dans laquelle Elon Musk apparaît en parlant de crypto-monnaies. Alors, je ne vais pas regarder toute la vidéo, hein. Pensez bien. Mais quand la vidéo a été diffusée, en description, le pirate a fait un lien vers son site pour vendre de fausses crypto-monnaies. Alors pendant ce temps, moi j'ai essayé de recontacter tout de suite YouTube, mais ça n'a pas été simple. Parce que je les ai contactés déjà d'un autre compte, vu que ma chaîne avait été piratée, je ne pouvais pas évidemment les contacter de ma chaîne. J'ai tout expliqué en détail, mais bon, malheureusement, les personnes qui répondent sur YouTube sont formés à utiliser des scripts de réponse. Vous savez, c'est comme si vous appelez des call centers, la personne que vous avez au bout du téléphone, elle a toujours une réponse à vous donner parce qu'il y a une sorte de cahier qu'elle lit en disant « Tiens, si on pose telle question, alors il y a telle réponse. » On vous répond toujours comme ça pour vous orienter. C'est pas au bon vouloir de la personne. Du coup, il me répondait toujours les mêmes réponses. Il me disait « Donc, vous êtes piraté, vous devez remplir un formulaire pour déclarer le délit. » Seulement, dans le formulaire, il y avait des infos à propos de la chaîne qui sont demandées. Et comme je ne pouvais plus accéder à la chaîne, vu qu'elle était piratée, donc je ne pouvais pas remplir le formulaire. Et je me retrouvais bloqué, à perdre un temps fou. Et pendant ce temps-là, eh bien, le pirate a pu faire tout son business sans que je puisse faire quoi que ce soit. Alors, je vous passe les détails, mais au final, après donc, de multiples explications, j'ai fini par pouvoir réinitialiser mon mot de passe et récupérer mon compte Gmail et ma chaîne YouTube. Alors j'étais soulagé parce que j'avais cru que le pirate avait effacé mes vidéos. Donc imaginez la panique si vous perdez 5-6 années de vidéos. Mais en fait, il les avait simplement mises en privé et donc j'ai donc passé ma soirée à tout remettre en place. Seulement, c'était pas la fin. Le lendemain, je me lève et je me vois dans l'impossibilité d'accéder à ma chaîne. YouTube m'informant que la chaîne était définitivement fermée suite au non-respect des règles de YouTube. Alors, la vidéo diffusée par le pirate a été considérée comme une arnaque et ma chaîne était à ce moment-là hors la loi selon YouTube qui s'est décidé à la fermer. À nouveau, il a fallu que je repasse par l'assistance YouTube et expliquer je ne sais pas combien de fois ce qui m'était arrivé. Pour faire appel et prouver que je n'étais pas l'auteur de l'arnaque. Alors encore une fois, je vous passe bien des détails et des attentes ennuyeuses, mais au final, j'ai enfin pu récupérer la chaîne. Et vous pensez que c'était terminé ? Eh bien non. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reçu un très grand nombre de réclamations pour droits d'auteur sur près d'une dizaine de vidéos. Alors j'ai donc dû regarder quoi il en retournait. Et il se trouve que c'était en rapport avec des musiques libres de droit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes souvent qui sont mal intentionnées et qui disent avoir les droits de certaines musiques. Et ils envoient des plaintes à YouTube pour récupérer les droits de la vidéo qui les utilise et ainsi se faire de l'argent sur votre dos. Donc il a donc fallu rechercher quelle musique j'avais utilisée dans telle vidéo. Alors des vidéos qui avaient parfois des années, donc je vous explique pas tout ce qu'il a fallu chercher. Et l'idée, c'était de faire une réclamation à YouTube en prouvant que la musique était une musique libre de droit. Donc tout est rentré dans l'ordre, mais j'ai passé un temps fou pour faire valoir mes droits, en fait, tout simplement. Et puis pour finir, j'ai constaté que sur des anciennes vidéos, YouTube avait comprimé l'image et le son. Alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais du coup, les vidéos sont beaucoup moins jolies et le son est d'une qualité médiocre. Au final, ça fait beaucoup de complications, et du coup, là, j'ai pris beaucoup de retard sur tous les projets en cours. Je vous invite donc à être très prudent dans le futur. Dans mon cas, même mon interlocuteur sur YouTube s'est fait avoir en me disant que la chaîne du pirate était une chaîne officielle. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont demandé comment apporter leur aide, s'ils pouvaient faire quelque chose.
Écoutez, c'est simple. Étant donné là les répercussions, la fermeture de la chaîne et que les vidéos sont moins bien référencées, si vous voulez aider la chaîne, je vous invite tout simplement à regarder plusieurs vidéos de la chaîne à nouveau. S'il y a un nombre de vues qui est assez important, je pense que ça relancera dans le bon sens le référencement. Pour vous aider, je vous ai fait en description une liste avec des vidéos qui sont moins connues, que vous n'avez peut-être pas vues, mais qui sont pourtant très intéressantes. Il y a par exemple l'histoire très peu connue de l'image que la Vierge Marie a léguée à un Amérindien. Alors j'ai réalisé une vidéo pour raconter l'histoire de cette apparition mariale et une autre sur les analyses scientifiques de l'image, qui est incompréhensible. Alors ça vous rappelle peut-être l'histoire de la Vierge de Guadalupe et de la tunique de Juan Diego, parce que c'est vrai que l'histoire est assez similaire. Sauf que dans cette histoire, l'image que la Vierge a donnée est toute petite, c'est-à-dire elle est grosse comme un timbre-poste. Je vous invite aussi à revoir l'apparition de la Vierge Marie à Soufanié et son lot de faits extraordinaires, ou bien encore la vie de Mère Yvonne Aimée, qui est une religieuse capable de bilocation. Il y avait parfois des apparitions de fleurs autour d'elle que personne n'a pu expliquer. Il y a également d'anciennes vidéos qui ont été très peu vues, comme le témoignage d'une femme pilote d'hélicoptère qui est sortie indemne d'un crash et qui a vu la Vierge Marie lui annonçant sa protection. Ou bien encore, le témoignage très émouvant de l'assassin de Sainte Maria Goretti. Et personne ne pourra rester indifférent à cette belle histoire. Bref, je vous ai mis en description les liens vers ces anciennes vidéos, qui sont un peu oubliées. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, regardez-en quelques-unes, ça permettra de redonner de la visibilité, tout en passant un bon moment, j'espère. Alors cette mésaventure m'aura tout de même appris une chose, c'est que si pour une raison ou une autre YouTube ferme ma chaîne, ben j'ai plus de contact avec vous. J'ai donc choisi de créer un site nommé www.huilame.com, que je laisserai aussi en description, sur lequel ben, je publierai plein de choses. Je ne sais pas s'il sera sorti pour la publication de cette vidéo, mais j'espère l'avoir fini. Alors, si c'est le cas, je vous invite à vous y rendre. Il ne sera pas de toute façon totalement terminé, mais vous pourrez m'y laisser votre email si vous le souhaitez, afin que je puisse vous tenir au courant en cas d'incident similaire. Ah, pour finir, à nouveau, je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien durant ces péripéties, vraiment tous ces messages sympathiques, ces prières, les bougies allumées, encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais mille merci pour toutes ces gentillesses, et ça m'a apporté vraiment beaucoup de courage, de réconfort, et vous êtes une communauté merveilleuse, et je vous souhaite à tous le meilleur.